Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voulons nous entretenir aujourd'hui sur un point très important. La différence entre éveil, éveillé et réveil, réveillé. Éveil spirituel et réveil spirituel. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux et partout, on entend des serviteurs de Dieu, certains serviteurs de Dieu parler d'éveil spirituel. Ces termes, éveil spirituel, du verbe éveiller, signifie manifester, activer. Éveil ou éveiller fait allusion à ce qui est organique, au sens, à ce qui est lié à notre corps. Éveillez vos oreilles, vos yeux. C'est très important, frères et sœurs, dans le Seigneur. Parce que lorsqu'on dit éveiller, ça veut dire que la personne humaine qui travaille, dont tu fais des efforts avec des pénitences, avec des ascèses, il y a des procédures, des rituels, des cérémonies à suivre pour activer quelque chose en toi. Peut-être pour ouvrir les oreilles, pour ouvrir le troisième œil, quatrième œil, ça dépend de ce que les gens parlent. Et ça, c'est un effort humain. Tu fais des efforts pour éveiller certaines choses en toi. Et dans ce sens-là, tu as la capacité de maîtriser, de contrôler, d'orienter, de manifester oui ou non. Parce que c'est dans votre maîtrise. C'est un travail que tu fais toi-même. Et cette orientation d'éveil spirituel est religieuse, mais le terme n'est pas chrétien, n'est pas biblique. Éveillé spirituellement. Éveil spirituel est religieuse, c'est vrai, mais éveil spirituel n'est pas chrétien, n'est pas biblique. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans d'autres religions, comme l'hindouisme, le bouddhisme et dans d'autres sectes sataniques, que les initiés, les apprentis font les exercices d'activer ce qui est dans l'humain, de développer en l'homme certains pouvoirs. On parle de l'éveil spirituel lorsqu'il s'agit de l'initiation satanique, lorsqu'il s'agit d'une dimension religieuse, mais religieuse ou spirituelle, de la spiritualité. Mais dans cette dimension, c'est lorsqu'il s'agit des initiés, des chercheurs sataniques qui cherchent à activer, à développer certains pouvoirs au sein du corps humain. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que le réveil spirituel, c'est autre chose. Réveil spirituel, réveillez-vous, réveillez veut dire renouvellement, renouveler. Donc, réveil veut dire renouveler. Vous renouvelez votre foi. C'est tout un mouvement, un réveil. Vous renouvelez votre foi. La foi qui est devenue routière, qui est devenue une routine, routinière, qui est devenue un peu amorphe, morte, qui sommeille, vous devez le réveiller. Vous devez réveiller votre vie de piété. Vous devez réveiller votre vie de prière. Vous devez réveiller votre vie de foi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme une façon de rendre en activité ce que vous avez déjà. Donc, ce que tu pratiquais, mais tu ne pratiquais plus à cause de l'odeur, à cause de la maladie, à cause de certaines choses, mais tu dois réveiller ça. Tu n'actives pas, mais tu réveilles ce qui est en toi.
nous réveillons notre foi en Jésus-Christ. Nous réveillons notre façon de prier. Nous devons aller de l'avant. Nous devons accélérer. Ça, c'est le réveil. Et ça, c'est biblique. Apocalypse chapitre 3, verset 3. Réveillez. Réveille ce qui vous reste, nous dit Saint Jean. Saint Paul dit aux Thessaloniques, réveillez-vous, vous qui dormez. Le réveil est un terme biblique et ça c'est chrétien. Jésus sonne à l'âme et dit, veillez, parce que vous ne connaissez ni l'heure ni le jour. Les chrétiens doivent réveiller leur foi. Mais ils n'éveillent pas. C'est parce qu'il y a une chose, réveiller. Éveiller, ça veut dire développer en vous, activer ce qui est en vous. Mais lorsque quelqu'un est dans le péché, il peut activer quelque chose qui est en lui. Mais cette chose-là qui est en toi, comment ça peut te servir dans votre contact avec le Seigneur? Comment l'humain peut s'élever si Dieu ne vient pas à sa rencontre? Si tu es dans le péché. Mais regarde, depuis Mos jusqu'à l'Apocalypse, il est écrit ceci. Ils ont reçu l'Esprit Saint. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et mais si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir? Si tu as reçu, si Dieu t'a donné, pourquoi tu deviens orgueilleux? Parce que nous, les chrétiens, nous n'activons pas ce qui est en nous, mais nous recevons. Parce que c'est pourquoi nous devons réveiller, parce que nous recevons. La Bible nous dit, les 70 personnes qui sont restées ont reçu l'Esprit Saint. Et il y a quelqu'un qui était avec Moïse et dit, nous devons empêcher. Il dit, ne les empêchez pas, ils ont reçu. Moïse dit, ils ont reçu l'Esprit. Nous recevons, les chrétiens reçoivent, nous recevons de Dieu. Les chrétiens n'activent pas, mais ils reçoivent. Nous recevons de Dieu. Nous recevons de Dieu les grâces, les dons, les charismes. Nous recevons tout de Dieu. Et c'est ça, c'est cette grâce qui nous met en contact direct avec le Seigneur parce que ça vient de Dieu lui-même. Puisque ça descend, ça nous met en contact direct avec le Seigneur. C'est pourquoi le jour des Pentecôtes, les chrétiens ont reçu, l'Esprit est descendu sur eux. L'Esprit descend sur les apôtres. L'Esprit descend sur Corneille. L'Esprit, et c'est comme ça dans la Bible. Il faut quelque chose qui vient d'en haut et qui descende sur la vie des chrétiens. Les chrétiens n'activent pas. Ça, ce n'est pas notre spiritualité. Ça, ce n'est pas notre orientation. On n'a pas besoin d'éveiller quoi que ce soit. On n'a pas besoin d'avoir le troisième œil ou le quatrième œil. Nous recevons de Dieu des grâces. Et ce sont ces grâces-là qui font que nous soyons ce que nous sommes. Et c'est pourquoi les chrétiens qui croient en Jésus-Christ est plus puissant que ceux qui éveillent leur pouvoir, est plus puissant que les sorciers, est plus puissant que les magiciens, les féticheurs, les scientistes, les occultistes, est plus puissant. Parce qu'ils comptent sur eux-mêmes, ils comptent sur leurs propres efforts, ils comptent sur leurs propres pouvoirs, ils cherchent à avoir des pouvoirs sur eux-mêmes. Alors que nous, en recevant de Dieu, nous comptons sur celui qui nous a donné. C'est pourquoi Paul dit, Galates 2, verset 20, ce n'est plus moi, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui agit en nous. Alors nous ne pouvons pas prendre la place de Dieu, laisser Dieu agir dans votre vie. Tu n'as pas le droit de chasser le Seigneur pour que tu le remplaces. Et c'est ça la tentation des scientistes, les gens qui sont dans le monde satanique. Il cherche à remplacer Dieu. Il cherche à prendre la place de Dieu. Puisque moi-même, je suis capable d'activer ce qui est en moi, pourquoi j'aurais besoin de Dieu? Alors que nous, les chrétiens, nous sommes comme le Seigneur,
Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, obéissant, obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Philippiens chapitre 7, verset. Philippiens 2, verset 7. Philippiens chapitre 2, verset 7 à 9. Obéissant, obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Pour nous les chrétiens, c'est Dieu qui agit en nous, c'est Dieu qui habite en nous, c'est Dieu qui prend possession de notre vie. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit Saint habite en vous. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit Saint habite en vous. Faites attention à certains discours que vous entendez qui ne sont ni bibliques ni chrétiens. Pour nous, c'est ça. C'est Dieu qui habite en nous. Nous sommes un temple qui fait habiter le Seigneur et que le Seigneur agit en nous. Le Seigneur agit en nous à travers sa grâce, à travers son esprit, à travers sa puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, ne tentez pas de remplacer Dieu par autre chose. Ne prenez pas la place de Dieu dans votre vie. Ne suivez pas des faux prophètes. Suivez la parole de Dieu. Lisez la Bible. Suivez. Laissez-vous inspirer par l'Esprit de Dieu. Et que Dieu lui-même ouvre les yeux de votre cœur afin que vous puissiez connaître la grandeur de sa richesse. Qu'il vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.